Eddy de Préto est au cœur de l'actualité. En plus de la sortie de son album Crash Cœur le 17 novembre, il est l'un des jurés du grand retour de l'émission Popstar. De quoi confirmer son amour de la chanson et se livrer sur sa relation à l'amour tout court. 5 ans après la sortie de son tout premier album Cure, Eddy de Préto s'apprête à faire découvrir son troisième opus, Crash Cœur, chez Otterpen Records. Si est ce vendredi 17 novembre que les fans du chanteur pourront découvrir ses nouveaux titres dans lesquels Eddy de Préto se met plus que jamais à nu. À l'occasion de la promotion de ce disque, Eddy de Préto a multiplié les interviews et s'est livré sur son rapport destructeur à l'amour. Dans le Télérama du 15 novembre, le jury du grand comeback de Popstar n'a pas mâché ses mots. Chez moi, l'amour n'est pas évident. Je peux même être assez toxique dans mes relations. S'il n'évoque pas son compagnon à proprement parler, il ne cache pas pour autant ne pas être fan du romantisme. J'ai toujours pensé et je pense encore que l'amour trop rose est cucu, plat, chiant. Il me faut du subversif. Je veux salir le sentiment, je cherche toujours à rééquilibrer le romantisme avec du très brutal, développe-t-il dans les colonnes de Paris Match. Eddy de Préto l'assume, là où j'ai grandi, l'amour et la tendresse n'étaient pas assumés. Il y avait une certaine froideur, on ne se touchait pas. Réussir à aimer quelqu'un a été un travail monstrueux pour moi. Et le chanteur de 30 ans ressent d'ailleurs un certain plaisir à souffrir en amour. J'ai mis les murs qu'on se prend, le fait de devoir se remettre à neuf après chaque chute. Si est-il là d'où vient la métaphore du crash dans le titre du disque. Bientôt dans Popstar sortie d'album, tournée lancée en début d'année prochaine et télévision. Eddy de Préto croule sous les projets dans les prochains jours. En plus de son activité musicale, l'artiste sera l'un des jurés de la nouvelle saison de Popstar, dont le retour tant attendu est prévu sur Prime Video. La date officielle n'a pas été communiquée pour l'instant. Il sera aux côtés de Louane, qui n'a pas hésité à partager la bonne nouvelle et une photo inédite sur son compte Instagram, et du rappeur Alonso pour aiguiller les candidats. Un rôle inédit dans lequel on a déjà hâte de le découvrir.